back home. They want me to believe in things I told them no. Allez, c'est à mon tour. C'est un poulet boule. Moi je veux pas. Je provoque une avalanche. Oh la vache. Dans ton courtage. C'est des abonnés. Super. On va rentrer donc dans le Niesman Bischoff de Daniel et Marilyn. Daniel et Marilyn, il y a une place dans ton truc, c'est un truc de dingue. Je suis impressionné par le côté aéré. Alors je vois, bon bah tous les meubles sont peints en blanc, donc forcément le sol est en blanc aussi, ça donne un peu plus d'espace. Donc ici, bah, tu as un joli bureau. Alors là, tu me disais que tu avais un gros fauteuil que tu as enlevé. Hein, pour pouvoir avoir le four et le micro. D'accord. C'était le même fauteuil, les mêmes fauteuils que celui sur lequel tu es assis. Voilà, qui pivotait, mais il tenait trop de place. Ils sont suspendus ou pas? Non, quand même pas. On peut les remonter. C'est suspendu. Ils montent, ils se retournent, c'est tout. Ah oui, voilà, mais il n'est pas suspendu sur R. Voilà. Et donc on a. On n'a pas assez d'espace là. Allez, voilà. C'est le problème. Tu as le poste de conduite Iveco. Il aurait fallu que le volant puisse bouger un peu, mais il ne bouge pas. Je vois que tu as l'excellent GPS Garmin. Oui. Voilà, il nous va bien. Ah bon? Ça va, t'as de la chance. Oui. Allez, c'est beau, c'est occultant. Voilà, ok, je peux aller de l'autre côté? Mais bien sûr. Hein? Donc là, bah, on a la petite cuisine avec les deux bacs, hein, les deux éviers. Deux éviers, t'as deux poubelles derrière, je t'en prie, Daniel. Fais comme chez toi. Avec la... Ah ouais, la coupe comme moi, ouais, voilà, pour couper le saucisson. Le bon saucisson pour l'apéritif. Hein. C'est ça. Les deux poubelles de tri. Bien, tri sélectif. Le grand frigo, ben, c'est l'AES comme bon, un peu, ben, je pense que c'est comme le un peu tout, c'est le même que le mien. Oui, voilà. Mais bon, là, normalement, c'est la télévision, mais jamais. Vous ne vous mettez pas de télé. Non, on pas de télévision. Voilà, le tableau. Le tableau, là. Voilà. Très bien. Le petit bar dans le petit coin, là. Ah, ouais, en effet, ouais, je vois. Avec les petites cacahuètes qui vont bien. Ça, c'est ça, c'est bien, ça. Et là, donc, on a. Le WC avec lavabo. On a le WC. Alors, bon, là, c'est à peu près le volume. C'est à peu près le volume que moi je vais avoir. C'est super bien quand même. C'est suffisant. Par contre, tu as un gros avantage, c'est que tes toilettes, moi j'ai les genoux qui tapent dans le dans la porte. Le lit avec tous les placards. Et là, on a la petite chambrette, ouais, avec la grande douche. La grande douche, oui, la grande douche. Où t'as mis des quoi étendre et tout. Et puis là, le placard avec. Voilà, c'est un petit placard. Voilà. Et non, puis bah les trappes pour accéder. Les trappes pour accéder à tout ça. Oh. D'accord. Le chauffe-eau. On a des grands placards. Le chauffe-eau qui se trouve là-dessous, pareil, accessible. Ouais. Double plancher, je suppose. Double plancher, oui. Et puis là, on a des grands placards. Ah ouais, disons, c'est balèze. Hein. Ça, c'est C'est balèze. Alors, je précise, messieurs, dames, sont amis, ce sont des connaissances de Isa et Hervé, les propriétaires du Bavaria. Isabelle et Hervé. Ils se connaissent, en fait. On s'est connus là-bas au Portugal. Ils ont été voisins de Chambray. Voilà. C'est un véhicule de 2004. Hein. Donc, quelquefois, on en voit en occasion. On a toujours un petit peu peur. On se demande comment ça va être. Et tu vois, c'est un bel engin quand même. Hein. C'est un poids lourd. C'est un 6 tonnes. Oui, c'est un 6 tonnes. Ouais. Donc, c'est un châssis de camion qu'il y a là-dessus. Avec une énorme soute. Je vois, il est beaucoup plus haut que le mien. Oui, il doit beaucoup moins toucher. Mais on ne touche jamais. Et oui. Par contre, pour descendre la moto, on n'est plus haut que toi. Ah ouais, là, pour descendre la moto, à mon avis, il vaut mieux la laisser tomber. Je suis obligé de mettre un rail. Pour descendre. Ah ouais, t'as une moto dedans. Ouais. Ah dis donc, elle est vachement plus haute que chez moi. C'est une 250 Kawasaki. Eh ouais, bien. Donc je mets un rail pliant. T'as un beau garage. Hein. Voilà. T'as la même odeur que moi dans ton garage. Ah ben. La sienne, elle est belle. Mais je trouve que ton garage, il est plus haut. Il me semble que la tienne est un peu plus basse de moto. La mienne est plus basse et moi je touche.
Voilà le super mangin. Et tu vois, ça fait quand même... Combien ça mesure, ça, de haut? 3,35 m. Moi, je fais 3,40 m à la capucine. Et 8,40 m de long. Et 8,40 m de long. Bah, 8,50 m, 8,40 m, ouais, on est pareil. Hein. Avec les soutes. Bah, ah, ouais. Ah ouais, les soutes de tout le côté. Superbe. Le rouge jumelé à l'arrière? Rouge jumelé, oui. Ah, c'est des rouges jumelés. Ouais, non, j'ai l'éleveur parce que j'ai éclaté en venant d'Espagne. Voilà la bête. Tout le monde en est satisfait, hein. Ça marche très très bien. Hein. C'est... Il passait par là. C'est pas violent, non, bah non. Mais bon, c'est doux, c'est souple. Ils passaient par là, ils se sont dit on va venir voir Pascal, voilà, on va certainement le trouver. Voilà. Très peu, et ma femme n'osait pas venir te voir, et moi j'ai osé. Et ben voilà, super, vous avez bien fait. Voilà, Nesman Bischoff. Voilà. Impec. Tu vois, ils ont bien fait de venir, regarde. Bon, hein, ils m'offrent une petite bière en plus, voilà. On est voisins en plus. Voilà. Tu vois, oui, moi je suis juste à côté là. Ils sont partis, ça y est. Ils sont venus me dire bonjour. Ils savaient qu'ils passaient, ils savaient que j'étais par là, donc ils sont passés me voir. On a bu un petit café, hier soir on s'est bu une petite bière ensemble. Ciao ciao! La plancha. On va faire la plancha. C'est le cadeau parce qu'elle m'a offert. J'ai fait refaire une petite planche pour qu'elle puisse faire cuire son poisson dehors parce que sinon ça pue la chose, ça pue le rat mort après chez elle. Ouais, ça pue le poisson. Le poisson. Mmh. Le poisson mort. Et cuit. Quelle semaine? Quelle semaine la famille? Ah oh, la vache. Hein? Bon, on a peut-être un peu merdé sur la consommation à un moment donné. Faut que je vois avec Fabrice là, parce que moi j'ai répété connement sans même calculer, mais en effet, quand on calcule, c'est pas possible. Je regarde pas ma consommation en fait. Hein. Moi je regarde juste le compteur, le totalisateur qui me donne 13,5 ou 12,8. Je calcule pas tout ça. Je me dis pas, tiens, j'ai fait un plein, j'ai fait autant de kilomètres. Je regarde même pas. Pour ça, je te dis environ 750-800 km parce que. Le gasoil fait également tourner ma chaudière. Et ça fait chauffer l'eau, ça me donne le chauffage central. Donc forcément, c'est un peu tronqué. Vous avez entendu, non? Qu'est-ce qu'on allait dire? On voulait réagir donc sur le ressenti, c'est ça, hein, Eva? Sur la perception des choses qui sont dites. Comment vous, ou comment n'importe quel être humain les reçoit. En fait, tu peux communiquer un message, et ce message peut être interprété de plein de façons différentes. Et c'est cette question qu'on s'est posée après la vidéo de dimanche dernier, où tout le monde comprenait de travers, en fait. Il y a des gens qui comprenaient bien, et des gens qui comprenaient à l'envers. Même pas de travers. Il y a une partie des gens qui ont compris une chose, et deuxième partie des gens, ils ont compris complètement opposé. Une partie des femmes, des hommes se sont vexés que je rabaisse la femme, que je veux pas qu'elle travaille, que c'est une femme domestique. Et deuxième partie, compris complètement autre chose, que en fait je rabaisse l'homme, que à la besogne. Voilà, à la besogne, que la femme profite de son fric, qu'elle fasse rien et que c'est l'homme qui doit. C'est incroyable comme le même message peut avoir deux extrêmes, à l'opposé en fait. Selon le vécu des personnes, selon nos traumatismes, selon ce qu'on a vécu dans notre vie, on reçoit le message, surtout les premières phrases qui nous énervent, qui nous choquent. Et après tout le reste, on n'écoute plus, on n'entend plus, on interprète juste. Et puis il y a juste une fine partie des gens qui ont vraiment compris ce que je voulais dire. Et qui je remercie beaucoup, surtout Libère. Quelque chose comme ça. Elle a répondu à pas mal de messages à ma place en expliquant en fait ce que je voulais transmettre comme message. Par exemple, moi quelquefois je parle ch'ti. Il y en a qui ne suivent pas depuis le début. Ils pensent que je suis du sud. Il y en a un, il dit, j'ai dit que moi je voulais pas faire des spectacles, pas mettre un nez rouge, tu veux pas que je mette un nez rouge et je sais plus quoi, une blague comme ça. Ben, il y en a un, il a compris que en fait je me foutais des ch'tis, que c'était, je les faisais passer pour des alcooliques et des boubours.
suis ch'ti moi-même. Hein? Donc, tu vois, c'est... Voilà, alors il y en a un qui a compris comme ça. Hein? C'est pas aussi non plus une généralité, mais ce qu'on remarque, en fait, c'est que quand tu dis quelque chose, eh ben, les traductions, elles sont... Voilà, c'est les extrêmes. Voilà, ça va dans tous les sens. Après, c'est rigolo, parce qu'il y a tout type de messages, en fait. On se rend compte que quand on dit quelque chose, eh ben, les débats sont animés, parce que tout le monde ne comprend pas de la même façon. Tout le monde ne l'entend pas de la même façon. Et quand on dit les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage, c'est vrai que quelquefois on communique et on ne se comprend pas. Parce que moi, j'ai mon intention de dire quelque chose et elle le comprend différemment et vice-versa. Là, dans une étendue de gens qui nous regardent, c'est encore pire. On se rend compte que même pour des sujets... C'est pas que la différence de communication entre l'homme et la femme. C'est sûr que ça accentue encore... les choses, mais c'est même entre les humains tout court, oui, oui. Entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce que l'autre reçoit, comment il interprète, est-ce qu'il répète. Il y a des techniques pour ça, la communication non violente, pour aider à communiquer. Et alors quand on dit quelque chose, dans toutes les locutions qu'on va avoir, c'est un peu comme les journalistes qui retirent une partie de ce qui a été dit et qui ensuite le véhicule dans leur journal télévisé. Et on oublie tout ce qui a été dit en amont ou après. C'est souvent les hommes politiques d'ailleurs ont ce petit problème, c'est qu'ils vont dire quelque chose et puis dans ce qu'ils vont dire, il y a une phrase qui va être sortie de son contexte et qui va faire mouche et puis qui va faire râler tout le monde. Bon là, c'est un petit peu pareil. On dit quelque chose, on parle et dans la réception du message, il y a des personnes qui vont entendre que la petite partie qui va leur accrocher les oreilles. Et tout le reste, ça n'existe plus. Alors non, moi je suis pas du tout loin de moi, au contraire, je pense. Ben non, c'est plutôt une femme qui se défend. Je suis plutôt féministe. Il y en a même un qui a dit en rigolant que je suis que sur ce visage d'ange, il y a un tyran. Attention Pascal, sur ce visage d'ange, il y a un petit tyran. Je suis une femme restée à la maison faire la popote. J'ai jamais fait la cuisine tous les jours. Je cuisine pas. Hein. Si la femme travaille, bah, tout est partagé. Au contraire, c'est pour défendre les femmes, parce qu'une femme qui travaille, qui rentre à la maison et qui fait tout, je trouve que c'est injuste. C'est soit c'est son travail, la maison, et elle devrait être payée pour ça, soit si elle travaille en dehors de la maison, les partages des tâches ménagères et de s'occuper des enfants, ça devrait être partagé. Et de nos jours, moi, ce qui me choque, ce que je veux dire, le poids de travail qui est sur la femme, le travail professionnel, plus elle rentre, elle fait tout, je trouve que c'est abusé. Voilà la famille. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est un vrai boulot, et puis voilà, dans ces pays où il aide les femmes, les travaillent, ils les reconnaissent. En France aussi, si tu élèves première, je crois, 3 ans, c'est compté pour la retraite. Ouais. C'est un vrai travail de s'occuper des enfants, ouais, c'est sûr. Et après, pour reprendre le travail, pour ces femmes-là qui ont 2-3 enfants et qui ont pensé qu'elles sont discriminées tous, je trouve ça choquant et aberrant, parce que c'est la base de l'humanité, la reproduction. Si on ne se reproduit pas, l'humanité va disparaître. Après, moi j'ai une idée là-dessus, je ne vais pas me plaindre. Mais quand même, ça fait partie de la vie, la reproduction. Après, ça marche pas avec 2 hommes. Hein. Je vous le dis tout de suite, se reproduire entre hommes, ça n'existe pas. Si tu dis, ça va mal passer. Ça, c'est... Je vois si après tu prends une petite croix. Ça fait pas des bébés. Ça fait pas des bébés, ça. Non. Ben oui, chatounette. Hein. Ça, je peux pas mettre. Ah, tu crois ça, toi? Voilà la famille. Ben écoute, à part ça, tout va bien. On fait l'apéro tranquille, quoi. Après, ouais. On va faire la plancha. La plancha. Après, on fait la plancha. Bon, la famille, il nous reste à dire à la prochaine. À demain, lundi, pour la prochaine vidéo. Demain, je te montre un Adria Matrix 670 SC.
Tu vois, ça y est, j'ai spoilé la vidéo de demain. Voilà, je voulais pas dire ce que c'était, mais voilà, tu verras un Adria, donc un profilé Adria Matrix 670 SC Matrix Plus.